souhaitez-vous voir Didier Deschamps poursuivre à la tête de l'équipe de France jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Ça, c'était la question qui vous a été posée par le site L'Équipe. Il y a eu plus de 97 000 votes, presque 98 000. Et c'est un large non, puisque c'est un non à 75%. Donc, un résultat très tranché pour Didier Deschamps aujourd'hui. Voilà, on est sur 100 000 votes, hein, on n'est pas sur une petite étude quali. Voilà, on est sur quelque chose qui pèse. Alors, évidemment, c'est un lendemain de défaite. Et évidemment, ça accentue sans doute et ça grossit le trait. Je vous pose la question autour de la table. Vous avez entendu Sébastien, vous avez entendu Philippe Diallo. Stop ou encore Didier Deschamps? Faisons simple. Regardons ce que vous me dites. Stop pour Alicia, stop pour Karim, encore, et puis stop dans la foulée. Je vais expliquer, Jérôme, d'accord. Encore jusqu'en 2026, on prolonge pas quoi pour Johan. Toujours pour Raymond. Et cinquième amendement. J'invoque le cinquième amendement. Il refuse de parler. Envoyez mes avocats, je ne parlerai pas, je suis Raphaël Sebaoun. Raymond, comme à chaque fois qu'il y a un débat sur un sélectionneur, je me dois de commencer avec vous. J'avais pas de doute sur votre réponse. Mais est-ce que ce que vous avez vu de 7 euros, additionné au résultat, suffit à faire tenir un contrat? Déjà, le premier truc, il a un contrat. Donc il a un contrat de 2 ans, même si... Vous donnez des sous en échange d'une fin de contrat. 2 ans de contrat, ça peut coûter très... Ça peut coûter cher. Plus cher que nous. À l'heure actuelle, dans les conditions ce qui se discute avec les droits télé, c'est pas forcément un cadeau. Et après, on est toujours dans le même problème, je dis, parce que une compétition est un peu moins bien, on veut remettre en question le sélectionneur parce qu'il est là depuis longtemps. Non, ce qui est anormal, c'est de se dire qu'un sélectionneur qui a été sur 4 compétitions... 4 demi-finales en 5 compétitions, je veux dire, on vient discuter. On peut discuter de la manière, le truc, mais se retrouver à ce niveau-là aussi longtemps, je veux dire, en renouvelant l'équipe en permanence, en retrouvant des résultats, en rebondissant, comme l'a dit Seb tout à l'heure, après l'Euro et aller en finale, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on attend de plus? Un miracle? Et moi, on est toujours dans cette situation. En France, on aime bien. Il faut que ça change. Bah, il faut que ça change. Mais le seul argument, le seul argument qu'on a, c'est qu'on a envie que ça change. Mais quand il y a un truc qui marche plutôt bien, pourquoi est-ce qu'on a envie que ça change? Parce qu'on veut voir moi, j'ai dit, on a plutôt envie de le renforcer. Je veux dire, est-ce que c'est la faute de Deschamps si Dembélé il a les yeux derrière la tête et si Mbappé il était à la rue? Et si les deux attaquants... Pourquoi il l'aligne alors? Parce qu'à l'heure actuelle, il y a Mbappé, Dembélé, ils sont les meilleurs joueurs. Barcola peut rentrer, mais il a fait quelques bouts. Mais il est l'avenir. On est dans la situation où on prépare la suite. Peut-être qu'il a commencé et là, il y aura les prémices de la suite. Et pour aller dans le sens de Raymond, oui, 4 demi-finales. Alors après, il y a eu une finale et une victoire en Coupe du Monde, mais sur ces 6 compétitions qu'il a disputées, c'est quand même assez incroyable. Il n'y a jamais eu vraiment de quoi, puisqu'il a toujours passé les phases de groupe. Il y a d'autres sélectionneurs par le passé qui n'ont pas réussi à le faire. Mais lui, il a toujours, 4 fois sur 6, obtenu au moins une demi-finale. Il y a eu un quart de finale en 2014 lors de sa première prise de fonction. Il y a eu un 8e de finale, oui, c'est peut-être le moins bon résultat lors de l'Euro 2021 et cette défaite au tir au but face à la Suisse. Et mine de rien, sur les matchs à élimination directe, on l'a comparé à d'autres sélectionneurs. Eh bien, c'est celui qui a le meilleur ratio de victoire dans les matchs à élimination directe en tournoi majeur. 67% de victoire. C'est mieux que Joachim Löw, c'est mieux que Mario Zagallo, c'est mieux que Scolari, c'est mieux que Tavares qui sont juste derrière lui dans ce classement. Alors après, moi, si je veux être un petit peu méchant, alors que franchement, j'ai été plutôt doux, je trouve, pendant tout cet Euro. 4 demi-finales en 5 compétitions, mais il n'y a qu'une Coupe du Monde, il n'y a qu'un trophée. Il y a que. Moi, je... 3 finales, mais. Oui, d'accord. Et il y a une finale perdue au pénalty. Oui, mais si je regarde l'armoire. Mais d'accord, pays... mais moi, j'ouvre l'armoire à trophées. Il y a une Coupe du Monde, c'est le plus beau. Mais quel pays a un palmarès pareil? Non, mais là, si je reste chez nous avec, pour répondre à l'argument des 4 demi-finales en 5 compètes, il n'y en a qu'un alors qu'il aurait pu en avoir 2 ou 3 avec les joueurs qu'il y a. Est-ce qu'il y a un pays qui en a 2? Là, il n'y a pas de personne. Bah, l'Espagne, il y a 10 ans. Non, mais personne ne l'a fait. Après, là. Avant. Mais, bien sûr. Mais là, non, mais je suis obligé de vous répondre sur les 10 dernières années. En taux de réussite, demi-finale, finale, victoire. Mais je pense qu'on n'est pas sûr qu'un autre sélectionneur à la place des gens aurait pu être. Ouais, c'est pas comme en club. Non, mais évidemment. Mais là, je vais aller au-delà pour répondre aux stats. Mais alors maintenant, Jérôme, on est au lendemain d'un match. Donc la passion. Oui, bah évidemment. Elle est mêlée à la colère et au fait que c'était Ludo Bragnac qui disait le jour où ils se font sortir ces bleus qui ne jouent pas, il va en rester quoi? Bah, je vous pose la question. Oui. Il va en rester quoi? Pour moi, pour couper un sélectionneur avec ce contrat et ce palmarès, il faut acter d'un fiasco et non pas d'un échec. Et je crois qu'il y a une grande différence entre fiasco et échec. Tu perds contre la Belgique,
Il y a fiasco quand même. C'est pour ça qu'il est soulagé à la fin. Tu vois, moi, je pense que tu perds contre Belgique, c'est vraiment chaud pour lui. Contre le Portugal, bon. Mais la Belgique, c'est un petit peu son tournant pour ça. Moi, pour moi, il y a échec, mais il n'y a pas fiasco. Et je suis désolé, mais je suis différentiellement entre les deux. Ensuite, en revanche, et Seb a dit le mot pour moi, clé pour lui, son avenir, c'est la remise en question. En est-il capable? Il l'a déjà fait. Pour moi, lui qui était un manager hors pair, 2021, il y a des manquements. Là, il y a des manquements aussi. On en parlera tout à l'heure, je pense, mais il y a 2-3 cas qui m'ont vraiment marqué. Bah, donnez les noms, surtout, ça. Je crois que la gestion du cas Griezmann m'a choqué. Tu ne peux pas avoir eu près de toi un joueur comme ça pendant des années, aussi important, aussi... Et moi, je suis désolé, sur ce taureau-là, je trouve qu'il est traité comme un cadet. Et ça m'a choqué parce que c'était le tout pour Kiki avant l'Euro. On a eu plein de débats ensemble. Tout pour un joueur. On s'était dit avant, avec Raymond aussi, il y a un risque parce qu'il n'arrive pas à lancer Mbappé. Il arrive un peu fatigué, un peu bouilli, un peu cramé mentalement aussi. Et que ça se passe mal avec lui, c'était avant le nez, ça. Il y a eu le nez après. Et puis Griezmann s'est senti isolé dans le groupe, peut-être aussi socialement. Donc ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Dans votre bilan. Mais il n'y a pas fiasco. Et pour couper un sélectionneur comme ça, pour moi, il faut qu'il y ait fiasco et non pas échec, et je fais une différence entre les deux. On peut peut-être dresser déjà un premier bilan de cet Euro avec la conférence de presse de Didier Deschamps. Forcément, il était très attendu. Et il y avait eu cette question sur l'inefficacité offensive, sur le jeu des Bleus. Ça l'a poursuivi pendant toute la compétition, le sélectionneur des Bleus. Alors, il l'a reconnu. Et puis, la question sur son avenir est forcément arrivée. Ça ne lui a pas vraiment plu au sélectionneur, surtout à cause du timing. Non, mais là, il exagère. Évidemment que la question allait être posée. Évidemment qu'il savait. Je veux dire, personne n'a autant d'expérience que lui. Alors, on peut quand même comprendre aussi qu'il est sur le coup de la déception d'une défaite en demi-finale et que cette question-là l'agresse. Mais nous, en tant que journalistes, on est en droit de la poser aussi. Chacun dans son droit. Le verbe agresser est un peu plus. Bah, non, je trouve pas. Le gêne, le rendre malheureux éventuellement, agresser. Non, mais honnêtement, je peux comprendre qu'au sortir d'un match, ce soit vécu, mais c'est Raymond qui pourra en parler mieux que moi, évidemment. Mais Raymond, tout coulé sur lui. Je peux comprendre qu'à ce moment-là, au sortir du match, ça l'offusque, quoi. Pourquoi stop pour moi? Parce que moi, je suis dans le train des champs depuis le début, depuis 2012, et franchement, j'étais un des. Fervent défenseur de Deschamps ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours encore. Je suis dans le train depuis 12 ans, j'ai composté mon billet, je suis en train couchette, j'ai fait tous les wagons, mais là je crois que j'arrive au terminus. Franchement, c'est bon. Non mais c'est vrai, terminus parce que j'ai l'impression qu'on est en équipe de France de manière générale à la fin d'un cycle. Le cycle des champions du monde, Lloris, Pogba, Varane, Kanté, qui va certainement être Giroud, Griezmann peut-être. Et je me dis, cette nouvelle génération-là, a peut-être besoin d'un nouveau guide. Oui, c'est sûr. Et moi, j'ai envie de gagner la Coupe du Monde en 2026. Bien sûr qu'il y a des points positifs et que Deschamps sait le faire. Il a la gagne en lui et il saura peut-être se renouveler pour aller chercher cette Coupe du Monde-là avec cet effectif-là. Mais moi, de ce que j'ai vu de l'équipe de France là à l'Euro, et d'ailleurs, c'est ce que j'avais mis sur les réseaux, tant qu'il passe, arrêtons de parler du style de jeu, ça ne m'intéresse pas. S'il va en finale et qu'il gagne l'Euro avec cette équipe qui joue salement, bah ça ne me dérange pas. Moi, je veux le titre. Donc, elle a perdu salement. Exactement. Mais à partir du moment où il perd, c'est pas faire la girouette. À partir du moment où il perd, bien sûr qu'on peut s'interroger sur le niveau de jeu et sur cette équipe de France qui n'a pas réussi à passer l'obstacle espagnol. Moi, je fais une analogie, une comparaison avec la Coupe du Monde 2014 et Joachim Löw, le sélectionneur allemand qui a été champion du monde et qui a eu beaucoup de mal après à se renouveler et à renouveler son effectif qui est arrivé en bout de course. Et j'ai un peu l'impression qu'on est en train de vivre ce que l'Allemagne a vécu à l'époque, où il y avait une sorte de trou générationnel, et surtout avec un sélectionneur qui a eu beaucoup de mal ensuite à se renouveler et à renouveler, régénérer son effectif pour aller encore plus loin. J'ai peur qu'on traverse ce trou-là si jamais Deschamps restait. J'ai profond respect pour ce que Deschamps a fait en équipe de France, mais j'ai envie de voir un peu autre chose. Le truc, c'est que déjà, il y a quand même un respect absolu à avoir envers cet entraîneur. On a quand même vécu deux dernières Coupes du Monde sensationnelles. On fait deux finales, on en perd une. Poser la question, c'est pas manquer de respect. Déjà, respect infini, et là, on n'est pas éliminé en phase de groupe, on n'est pas éliminé en huitième, on va quand même en demi-finale. Après, vous me connaissez, moi je suis pour un football de folie, de dinguerie, des 3-2, des 4-4. Non, mais c'est juste, sauf qu'à un moment donné, quand même, il faut respecter Didier Deschamps, ce qu'il a fait, ce qu'il fait encore. Là, on est en demi-finale. Après, voilà, j'arrive tout de suite. Ce qui est terrible, c'est que tu me parlerais de l'Euro 84, de la Coupe du Monde de 86. J'ai 100 000 anecdotes, 100 000 trucs, 100 000 souvenirs, 100 000 fragrances, 100 000 moments. Là, je ferme les yeux, je n'ai rien. Je crois que j'ai juste un repli défensif extraordinaire, je crois qu'il y a du l'arrière latéral, l'arrière
Hernandez une fois ou deux. C'est-à-dire que c'est terrible. Et moi, j'ai eu la chance d'aller voir le match France-Belgique à Düsseldorf et d'être là à Munich. Donc j'ai des souvenirs extraordinaires de voyages, de trucs avec les copains et tout. Mais sur les deux fois 90 minutes, je n'ai rien. Et je trouve que c'est terrible. C'est parce qu'en fait, il y a un moment donné, on vient quand même d'une culture en France de Michel Hidalgo, on vient d'une culture où ça joue au foot, de Michel Platini. Et là, tu te rends compte, on a traversé cet Euro 6 matchs. Il n'y a rien eu. On faisait aussi des méjaquets et ce n'était pas non plus. Oui, non, mais c'est-à-dire que là, je trouve que c'est terrible. Non, mais il y a quand même une certaine forme de poésie. On a besoin, c'est quand même un spectacle. Et je trouve que ça, quand même, cet Euro, je trouve catastrophique dans le jeu, dans les émotions. N'oublions pas qu'on est quand même là pour vivre des émotions, pour être ému. On s'assoit sur, devant la télé ou au stade pour vivre quelque chose, pour qu'on soit transversé par quelque chose. Oui, mais vous l'avez pas été. Et vous ne lui en voulez pas. Non, mais parce que je me dis quand même, il y a quand même un respect des contrats. Il va faire ses 2 ans. Il va faire la Coupe du Monde. Et évidemment, Zinedine Zidane va prendre le pouvoir, on le sait. Évidemment. Mais ce que je trouve quand même terrible, c'est que au moins il y a un truc de positif qui est né de cette histoire, c'est que il n'y a pas assez cette histoire en France, c'est qu'enfin il y a eu un débat sur le beau jeu ou la victoire. Et vous savez très bien que moi je m'en fiche de la victoire. Moi je veux plutôt la manière, le jeu, comment on gagne ou comment on perd. Et je trouve que c'est beau parce que pendant dans nombreuses émissions, ça y est, il y a eu enfin un débat. Alors on n'est pas en Argentine. On l'a eu quand même ce débat avec Deschamps. Que là quand même au moins clair, parce que la France quand même avançait dans la compétition. Oui. Et je trouve que tu vois, on passait la Belgique, on passait le Portugal. Et contrairement à d'habitude, je trouvais que là, il y avait quand même pas mal de néanmoins. Parce que c'était exagéré. De cependant. Parce qu'on n'a jamais gagné aussi salement que ça. C'est ça. Et je trouve que au moins, c'est parce que vous êtes des romantiques du foot. Moi, j'ai pas connu. Par exemple, J'ai pas connu 82. C'est le deuxième meilleur souvenir de l'histoire de France. Ce qu'ils ont gagné à cette époque. Non, mais voilà, c'est ça. En fait, ce que vous avez gagné. Il y a eu l'Euro 84, il y a eu la Coupe du Monde 86. Moi, ça m'aurait été d'entendre ces discours-là. D'un truc. Ah non, attends, le France-Belgique qui 4-0, le match contre la Yougoslavie, Platini, le triplé. Le Portugal exceptionnel. Les discours de 82 ou 86. Moi, je veux bien. Moi, 86, j'ai pas connu et 82 non plus. J'ai pas vu. Ouais, je suis très jeune. En 82, on vit une demi-finale, on gagne 2-0, on gagne 3-1. C'est un discours de perdant. C'est-à-dire de arrêter avec ce mot. C'est un discours de perdant. On passe notre vie à perdre. Ils ont bien joué. Le Brésil en quart, le penalty de Platini au-dessus en 86. On s'en fout. C'était bien. Parce qu'au final, dire ça, mais je m'en fous. Tu peux pas dire qu'on s'en fout. Dans la Palmarès 86, le match avec Carica extraordinaire. Le match. Tu crois que l'Argentine ne peut pas dire qu'on s'en fout de faire la Coupe du Monde 86. Je crois que l'Argentine de Maradona pratique un beau football en 86. Moi, j'ai revu tous leurs matchs. Ils pratiquent un beau football. Mais il y avait un romantisme. En 86 contre l'Angleterre, le but de Maradona de la main, certes, il marque un but. Mais tu peux pas dire qu'Arrive qu'on est des perdants quand tu vois 86. En 82, toute la France a pleuré parce qu'on a vécu une émotion indescriptible en 82. Oui, on perd contre l'Argentine. En même temps, Johan, en 98, j'avais 15 ans. J'ai vu cette Coupe du Monde de l'équipe de France en 98. Cite-moi un super match de l'équipe de France, la finale contre le Brésil. Tous les autres matchs pourris. Oui, mais c'est pas mal. Il y a l'émotion incroyable contre le Paraguay, où justement c'est exténuant. C'est exténuant. Mais attendez, Johan, quand vous dites contre le Paraguay, c'est exténuant, je suis d'accord. On l'a tous vécu ici, là. Tout le monde était là. Non, mais bien sûr. Mais contre le Paraguay, c'était totalement un match du niveau de l'Euro qu'on avait vu. Mais ça monte en puissance contre l'Italie. Même en dessous, hein. Oui, mais. Non, mais ce que je veux te dire, c'est horrible contre le Paraguay. C'est ça qui m'énerve au niveau de jeu. D'ailleurs, limite, c'est bien même qu'on s'engueule, parce que dans le sens au moins, il y a du débat, au moins, on parle de l'équipe de France, et pas seulement à travers un tableau d'affichage. L'équipe de France a créé de l'émotion, il crée du débat. Non, mais ce que je veux te dire, c'est je respecte Paris. Je suis totalement en désaccord avec Paris. L'émotion, ce n'est pas forcément bien jouer au football pour moi. Oui, mais Johan vit via le prisme des buts. Et il faut juste. Et de l'émotion, mais ça passe par les buts. Bien sûr. Mais Deschamps, toutes les compétitions de l'équipe de France sous Deschamps n'ont pas été marquées par une équipe qui ne marquait pas de buts. Ouais. Parce qu'on a regardé justement, là on est sur une moyenne, donc sur les 6 matchs de 0,7 buts marqués par match. Sur les autres compétitions, on est à une moyenne de l'équipe de France qui marque 2 buts par match. Elle a été c'est peut-être l'équipe la plus solide qu'on a eu de l'équipe de France. C'est l'équipe championne du monde qui a le plus bas taux de possession de l'histoire. Oui. De l'histoire. Ouais. Et donc, c'est pas une équipe. Oui, mais il y a l'émotion contre l'Argentine, clairement. Le premier temps, c'est purgeant d'équipe. Oui, mais le 8e de 2018, finale, au moins, il y a eu un 8e de finale extraordinaire. Je me souviens, toi, c'était un truc de dingue. Tu as corrélé l'émotion au beau jeu. Mais en 2018, je joue pas hyper bien. J'ai vu le match envoyé spécial à l'équipe en 2018 dans un bar, je crois, à Quimper ou à Vannes. Il y avait 300 personnes dans le bistrot. C'était une folie totale. Mais on aurait gagné au péno, ça aurait été la folie totale. Parce qu'au moins, il y avait quand même du jeu, il y avait des renversements de situation. Johan, ça a été la folie contre les Portugais au moment des tirs au but. Et c'était pas bien. Exactement. Et Greg, je suis le premier à te dire que je ferme les yeux, je retire de ces 6 matchs. Mais là, je suis d'accord avec vous. Là, rien. Je suis d'accord avec vous. Mais vous le gardez. Oui, mais au moins, mais Greg, et moi, j'adore. Vous le gardez parce que vous êtes égalistes. On devient les billardistes, on devient les ménotistes. Enfin, on entre dans la philosophie du football. Attendez, vous allez rentrer dans Bielsa dans pas longtemps. Et là, j'ai pas le temps. On va pas les réconcilier. C'est Karim tout à l'heure qui parlait de fin de cycle pour Didier Deschamps ou pas. Alors, on vous disait tout à l'heure que si l'équipe avait réalisé un sondage, on a dépassé les 100 000 votes. Il y a toujours un non pour que Didier Deschamps poursuive jusqu'à la Coupe 2026. Un non à 75%. Et en 12 ans à la tête des Bleus, il y a eu pas mal de sondages qui ont été réalisés sur Didier Deschamps, et sa cote de popularité, elle a toujours été
au top ou quasiment au top. Un mois et demi après la Coupe du Monde 2018, sa cote est au sommet, forcément. 88% des personnes interrogées par un sondage réalisé par Odoxa souhaitent le voir rester jusqu'en 2020. Didier Deschamps avait marqué aussi beaucoup de points en 2021 auprès des Français en rappelant Karim Benzema en équipe de France pour disputer l'Euro. Il y a eu l'immense déception de l'Euro 2021 où les Bleus ont été éliminés en 8e de finale. Pourtant, Deschamps reste plébiscité. Près de 80% des Français souhaitent qu'il reste sélectionneur. Ce sont les joueurs qui sont jugés comme les principaux fautifs. La victoire en Ligue des Nations dans la foulée lui fait beaucoup de bien. Et un dernier sondage à vous donner, toujours réalisé par Odoxa. La veille du quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar, 70% des Français préfèrent que Deschamps reste à la tête des Bleus, même si on leur propose le nom de Zidane. Donc tous ces sondages sont à la faveur de Didier Deschamps. Et celui réalisé aujourd'hui montre qu'on est peut-être arrivé à un tournant de sa carrière de sélectionneur. De toute façon, vous savez, il n'y a pas besoin du football pour comprendre que les Français ne savent pas ce qu'ils veulent. Oui, non, mais jusqu'à présent, il était défendu. Oui, on a cru comprendre. Hein. Et les votes, on sait. Oui, tout cela est très volatile. Voilà. Ne dérivons pas. C'est une matière vivante. S'il avait vécu France RFA, il aurait été marqué à vie quand même. Oui, oui, mais c'est sûr. Mais même, moi j'ai vécu à Guadalajara et tout ça. Bon, tiens, puisqu'on parle de Guadalajara et tout ça. Une question pour revenir sur Didier Deschamps. Oui. Là, ça ne m'arrange pas, niveau timing. Non, mais quand même, elle est importante parce qu'on dit il faut qu'il se réinvente. Ça veut dire quoi? Comme il l'avait fait après 2021. Acceptez quand en conférence de presse, il dit si vous vous ennuyez, vous avez ou passez à autre chose. Je pense qu'un sélectionneur d'avoir le respect des gens qui regardent, des passionnés, des gens qui ont fait. Je vous assure, je ne vous prendrai jamais comme avocat parce que vous me dites faut qu'il reste et vous me massacrez sur l'émotion et vous me dites il n'a pas le respect des téléspectateurs. C'est quoi se renouveler? C'est accepter la critique parlée. Est-ce que Didier Deschamps est encore l'homme de la situation de l'équipe de France? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va en parler de Dédé, on va en parler de l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors les amis, est-ce que Didier Deschamps, selon toi, est encore l'homme de la situation de l'équipe de France? Est-ce que tu estimes que, comme le président de la fédération, à l'occurrence ici, M. Diallo, l'a prolongé, l'a confirmé jusqu'à 2026, est-ce que tu estimes que c'est une très bonne idée? Moi, je pense que jusqu'à présent, Didier Deschamps, c'est encore l'homme de la situation. Je t'explique. Malgré les purges, puisqu'il faut le dire, Deschamps nous a livré les purges durant cette Euro. C'était vraiment catastrophique dans le jeu, etc. Mais pour moi, je continue de croire que c'est encore l'homme de la situation. Didier Deschamps, il est arrivé en équipe de France en 2012. Donc, si je fais 2012-2024, c'est 12 ans. En 12 ans, les gars, en 2014, il se fait sortir par l'Allemagne en quart de finale. Et je rappelle ici que l'Allemagne, c'est le futur vainqueur de la Coupe du Monde. Donc, se faire sortir par le futur vainqueur, pour moi, ce n'est pas honteux. Ensuite, en 2016, il joue la finale contre le Portugal. Il perd la finale. Donc, quart de finale, ensuite, il arrive en finale à l'Euro 2016. En 2018, il remporte la Coupe du Monde avec les Bleus. En 2021, il se fait sortir par la Suisse lors de l'Euro. En 2022, il joue la finale de la Coupe du Monde. Et entre-temps, il a aussi remporté la Ligue des Nations. Donc, ça c'est aussi un trophée à ne pas banaliser. Il a aussi remporté la Ligue des Nations. En 2022, il joue la finale de la Coupe du Monde. En 2024, l'Euro, il se fait sortir en demi-finale contre l'Espagne. Les amis, son bilan est plus que positif. Son bilan est plus que positif. Donc, moi, je ne comprends pas les critiques à son égard. Oui, on va me dire le fond de jeu, etc. Mais Deschamps a toujours joué comme ça. Même en 2018, c'était basé sur la solidité défensive, être costaud défensivement et ensuite exploiter les failles que l'adversaire va présenter, exploiter ton talent offensif. Ça a toujours été le plan de Deschamps.
être costaud défensivement et exploiter les moindres failles offensives. Sauf que l'Euro 2024, ça va payer parce que tes joueurs étaient en méforme. Tu as Griezmann, ton meneur de jeu qui est en méforme. Tu as Kylian Mbappé, ton buteur qui est en méforme. Tu as les Giroud qui partent en retraite. Tu as les Tchouaméni qui ne sont pas au niveau. Tu as N'Golo Kanté qui n'est pas au niveau. Bref, quasiment tous tes cadres sont en méforme. C'est ça le problème, c'est ça qui a tué Deschamps. Et pour moi, c'est déjà même un miracle de voir l'équipe de France en demi-finale. Puisque avec le jeu proposé et surtout avec le nombre de buts marqués, c'est quasiment impossible de tout retrouver en demi-finale. Pour moi, c'est presque un miracle de voir les Bleus en demi-finale. C'était presque un miracle. Donc les gars, moi je pense que Deschamps, c'est toujours l'homme de la situation. Oui, on me parle de Zidane. Que Zidane, il pourrait arriver en équipe de France, remplacer Deschamps. Je vous rappelle ici que si on ne veut plus de Deschamps parce que son jeu est médiocre, Zidane n'est pas très loin en termes de jeu de Deschamps. Zidane n'est pas très loin en termes de jeu par rapport à Deschamps. Ils ont quasiment le même jeu. Être solide défensivement et exploiter les moindres occasions que tu auras offensivement. Entre Deschamps et Zidane, le jeu est si proche. Hein. Ils ont quasiment le même jeu. Hein. Lorsque moi, je regardais le Real de Zidane jouer, les trois RDC là, ce n'était pas un football flamboyant. Hein. Ce n'était pas un football flamboyant. Donc, les amis, soyez un peu indulgents avec Deschamps. Pour l'instant, il a encore les résultats. Dites-moi un club qui a le jeu et les résultats en dehors de Manchester City. C'est hyper rare. Dites-moi un club qui a le jeu et en même temps qui a les résultats de manière constante. C'est hyper dur de le trouver. C'est très très dur, les gars. Donc, soyez un peu indigent en BDD. Après, partagez votre information, commentez sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à abonner, d'activer la cloche d'inscription pour ne rien manquer les prochaines vidéos que vous allez trouver sur la chaîne. Sinon, c'est à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.